simply go. Longing just to breathe something that's of worth, that will bless your heart. Donc le thème qui m'a été donné, le thème central, c'est One Power pour vaincre, n'est-ce pas? Mais je vais, n'est-ce pas, apporter un petit sous-thème qui est celui-ci. Mon serviteur est malade. Mon serviteur est malade. Et s'il est malade, il faudrait que Jésus le guérisse, n'est-ce pas? Ok, on va se tenir debout, on va lire tous ensemble. Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 10. Ça y est? On peut aller? 1, 2, 3, go! Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'apportant, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Regardez-moi. Mon serviteur est malade. Avant de toucher même le contenu de mon message, il y a quelque chose qui m'a attiré dans ce passage que nous avons lu. C'est parce que Jésus vient ici élever. Jésus vient élever la foi d'un païen, d'un incirconcis. Il dit: même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, théoriquement, normalement, c'est en Israël qu'on est censé trouver les hommes et les femmes de foi. Mais Jésus dit: même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et vous savez, la foi est un élément très important pour la marche chrétienne. Et la Bible a présenté la foi sous plusieurs aspects de la Bible. On nous parle de la foi comme une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi nous fait vivre. La Bible dit: le juste vivra par la foi. Alléluia. Donc celui qui n'a pas la foi, il est vivant, mais mort aux yeux de Dieu. Il dit: mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, je ne prends plus plaisir à lui. Donc celui qui n'a pas la foi, il est mort aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit: laissez les morts enterrer leurs morts. Donc ce matin ou ce soir, alors que nous sommes ici, il y a des gens qui sont morts, mais qui ont porté la cravate comme moi. Il y a des gens qui sont morts, mais qui ont porté le costume comme moi. Mais ils sont morts parce qu'ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La foi nous fait voir la gloire de Dieu. Jésus a dit: je suis pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La foi est tellement vaste que moi je peux parler de la foi pendant un mois. La foi a été présentée comme une arme spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 6, on dit: prenez par-dessus le bouclier de la foi. Donc c'est-à-dire, on présente les armes spirituelles. Mais il dit: prenez par-dessus toutes ces armes le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les enflammés du mal. La foi a été présentée comme un fruit de l'esprit. Quand vous lisez Galates chapitre 5, dans le composant du fruit de l'esprit, on parle de la foi. Alléluia. Et là, ici, Jésus va élever la foi d'un païen. Et là, c'est possible de dire: même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Donc Jésus était impressionné. Et nous allons comprendre dans mon message pourquoi cet homme, n'est-ce pas, a impressionné Jésus. Alors la Bible dit: quand Jésus entrait à Capernaum, et un centenier l'apporta. Et Capernaum, en fait, Jésus est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, mais Capernaum était considéré comme le quartier général de Jésus-Christ. Dans d'autres versions, ou dans d'autres livres de la Bible, on présente Capernaum comme étant sa ville. Alléluia. C'est à Capernaum que Jésus a appelé Matthieu à l'apostolat. C'est à Capernaum que Jésus a guéri le paralytique qui était porté par quatre hommes.
c'est à Capernaum que Jésus a guéri la fille de l'officier royal. Et c'est aussi à Capernaum que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre de la fièvre. Alléluia. Donc Capernaum est le quartier général de Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'il est à Capernaum, la Bible dit un centenier romain. Un centenier, c'était un militaire romain qui avait sous sa tutelle 100 soldats. N'est-ce pas? Et donc c'était un homme important. C'était un militaire, c'était un soldat. Comme je le disais, qui avait sous sa tutelle 100 soldats. Et la Bible dit, il est venu vers Jésus avec une prière, avec une soif, avec une vision, avec un idéal. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Or, un serviteur, c'est quelqu'un qui nous sert, n'est-ce pas? Ou alors quelqu'un dont on se sert, n'est-ce pas? Et ce qui fait un bon maître, c'est la qualité de ses serviteurs. Alléluia. Je le répète, ce qui fait un bon maître, c'est la qualité de ses serviteurs et non la quantité de ses serviteurs. Dis amen avec moi. Donc si nous voulons que le royaume de Dieu avance, nous avons le devoir d'être des bons serviteurs de Jésus. Dis amen avec moi. Parce que tout ce temps que nous sommes serviteurs de Jésus à un niveau que ce soit. Moi je sers Dieu à la prédication. Il y en a qui le servent même en bas l'église. Il est au service du Seigneur. Il y en a qui le servent à la caisse de l'église. Il y en a qui le servent à la louange. Il y en a qui le servent sur ses instruments. Chacun de nous sert Dieu en fonction de la paix ou des grâces que Dieu a déversées sur nos vies. Mais nous sommes tous au service du Seigneur. Dis amen avec moi. Et si nous voulons que le royaume de Dieu avance, nous devons tout faire pour être des serviteurs de qualité. Parce que ce qui fait un bon maître, c'est la qualité de ses serviteurs. Et vous comprenez que si cet homme se déplace pour aller à la rencontre de Jésus, c'est parce que ses serviteurs devaient avoir un rendement conséquent. N'est-ce pas? Certainement, sans ses serviteurs, l'entreprise prend un coup. Certainement, sans ses serviteurs, il y a des problèmes à la maison. N'est-ce pas? C'était un serviteur qui faisait prospérer, n'est-ce pas, tout ce que le maître mettait, déposait entre ses mains. Nous avons l'exemple de Joseph, n'est-ce pas, qui était, lorsqu'il arrivait chez Potiphar, comme c'était un bon serviteur, tout ce que Potiphar avait donné, lui avait donné comme directive, comme service, ou alors comme responsabilité, si vous voulez, prospérer. À tel enseigne que Potiphar l'a établi comme, n'est-ce pas, le chef de tous ses serviteurs, parce qu'il était un bon serviteur. Alléluia. Si nous voulons que le royaume de Dieu avance, nous devons tout faire pour des serviteurs de qualité. Dis amen avec moi. La quantité, ce n'est pas ce qui fait défaut, mais c'est la qualité qui fait défaut. Alléluia. Il faudrait que de la quantité, nous puissions tirer la qualité. Alléluia. Voici pourquoi Jésus dit, quand il parle de la qualité, il dit bon et fidèle serviteur. Ça veut dire que parmi la quantité, il y en a ceux qui se sont distingués de par la qualité de leur travail, de par la qualité de leur rendement. Et Jésus les appelle bons et fidèles serviteurs. Alléluia. Alors il dit, mon serviteur est malade, atteint de paralysie. Non, il est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et vous savez, cet homme avait sous sa tutelle 100 soldats. Il pouvait envoyer un, n'est-ce pas, à mission vers Jésus. Mais il s'est déplacé parce que ses serviteurs avaient de l'importance à ses yeux. C'était un bon serviteur. C'était un serviteur fidèle. C'était un serviteur loyal. Alléluia. Il était loyal. Et aujourd'hui, la loyauté fait défaut dans l'église. Défaut. Qui ne veulent pas se faire encadrer. Trop de gens qui croient même connaître mieux que le pasteur. Trop de gens qui veulent guider le pasteur. Non. Alléluia. Un bon serviteur est assis au pied du maître. Alléluia. Écoutez. Josué marche avec Moïse. Mais il y a quelque chose qui m'a impressionné. C'est que Moïse est parti, n'est-ce pas, à la montagne de Dieu. Josué est resté au pied de la montagne.
Moïse lui a dit, attends-moi au pied de la montagne. Et qu'est-ce qui va se passer? En temps, le peuple a attendu Moïse. Et quand Moïse n'arrivait pas, ils sont détournés de Dieu et ils ont fait faire un veau d'or à Aaron. Alors qu'ils sont en train de festoyer, alors qu'ils sont en train de crier et se réjouir, Josué entend des cris. N'est-ce pas? Et quand Moïse descend, Josué dit à Moïse, Moïse, il y a la guerre au pays. N'est-ce pas? Il y a la guerre au pays. Moïse dit, non, mon petit, tu t'es trompé. C'est pas la guerre, c'est le peuple qui s'est détourné de Dieu. Mais je me suis posé la question de savoir, Josué qui était un général, qui était le chef de l'armée, bien que, n'est-ce pas, Moïse soit parti, et la guerre au pays, n'est-ce pas, son peuple, lui estimait que son peuple était, n'est-ce pas, attaqué par l'ennemi. Mais comme c'était un serviteur loyal, il est resté là aussi, parce que Moïse lui avait dit, reste au pied de la montagne. Quels que soient les bruits que tu vas entendre, quels que soient les mouvements à gauche, à droite, reste au pied de la montagne jusqu'à mon retour. Alléluia. Écoutez, attends à pécher. Dieu est omniprésent. Il est omniscient, il voit tout. Et lorsqu'il arrive, il dit, attends, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam s'était déplacé? Si, il le savait. Mais pourquoi il pose la question, Adam, où es-tu? C'est parce qu'il avait laissé Adam quelque part. Et il estimait que même si Adam avait péché, c'est au lieu où il avait laissé Adam, à même lieu de rencontre qu'il devait régler leur problème. Adam, où es-tu? Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont partis de l'église. Dieu l'avait mis quelque part. Et quand Dieu arrive, où es-tu? Il n'est pas à sa place. Abakou dit, j'étais à mon poste. Et je vais. J'étais à mon poste. Même quand il le voit, je suis resté à mon poste. Même quand les gens sont partis, je suis resté à mon poste. Même quand il y a eu des calamités, il y a eu des tremblements de terre, j'étais à mon poste. Je ne touche pas. Alléluia. Parce que celui qui m'a appelé m'a mis là. Je l'attends là. C'est là où nous avons réglé nos problèmes. Attends, où es-tu? Et c'est comme ça que vous allez voir. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont passés à côté des grâces de Dieu parce qu'ils ne sont pas à la place. Alors, où est-ce? Où est-ce? Amen. Alors, le monsieur s'est déplacé parce que c'est un serviteur qui avait un rendez-vous pour lui. Il s'est dit, non, si je perds ce serviteur, c'est fini pour moi. Si je perds ce serviteur, mon entreprise prend un coup. Si je perds ce serviteur, l'église va prendre un coup. Il faut que j'aille à ça. Il faut que j'aille à rencontrer Jésus pour que cet homme soit guéri. Et il arrive. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, en train de paralyser et souvent mort. À chacun de nous aussi, Dieu a donné des serviteurs. Et ces serviteurs sont censés nous propulser dans la gloire. À chacun de nous, Dieu a mis dans nos mains, dans nos vies, certains serviteurs qui sont censés, n'est-ce pas, glorifier Dieu dans nos vies. Quand je parle de serviteurs, tu peux aussi parler des diplômes. Le diplôme est le serviteur que Dieu a mis dans tes mains pour t'introduire dans le marché de l'emploi. Alléluia. Normalement, quand ton serviteur est en bon état ou en bonne santé, tu dois avoir un boulot conséquent ou un boulot, comment dire, un boulot qui cadre avec le niveau du diplôme obtenu. Mais il y a des gens ici qui ont des diplômes, mais qui n'arrivent pas à avoir le boulot même. C'est-à-dire qu'il a une licence, il est ménager. Alléluia. Je connais un monsieur, il a un doctorat. Il a une licence. Quoi, c'est pas une licence? Une maîtrise. Un doctorat et une maîtrise, c'est ça? Oui. Maîtrise à ressources humaines et un doctorat quoi? En droit. Mais il fait quoi? Il fait la sécurité. Donc, c'est incroyable. Moi, j'ai rencontré le monsieur, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit que tu es sous l'emprise de la sorcellerie. Ce n'est pas normal, ton serviteur est malade. Il faut que je dis non, guérisse. Alléluia. Quand je parle d'un serviteur, je parle de quoi? Je parle du boulot. Le boulot est le serviteur que Dieu t'a donné pour t'introduire aussi dans la gloire. Jésus à la Bible dit, l'homme mangera seul son front, ou alors que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alléluia. Et dans la logique de Dieu, nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons aller de succès en succès. Donc normalement, lorsque tu travailles quelque part, quand la grâce de Dieu est sur toi, tu dois avoir la promotion.
salaire. Alléluia. Si c'est le cas pour toi, c'est que ton serviteur est malade et Jésus doit le guérir. Alléluia. Donc c'était un serviteur qui avait un rendement conséquent. Comme si le monsieur s'était déplacé, c'est parce que il fallait que ce serviteur soit en bon état pour que l'entreprise, n'est-ce pas, ne tombe en faillite. Quand je parle d'un serviteur, je parle de quoi? Je parle de la beauté. La beauté est un serviteur que Dieu nous a donné pour nous entretenir le mariage. Bien qu'elle soit relative, bien qu'il y ait des gens qui aiment les femmes ou belles, plutôt jaunes, d'autres aiment les noires, d'autres aiment les grosses, les petites, chacun, n'est-ce pas, à sa manière, à sa conception de la beauté. N'est-ce pas? Mais la beauté pour les femmes est un serviteur que Dieu nous a donné pour nous introduire dans le mariage. Alléluia. Et vous allez voir, à l'église, il y a des jolies femmes, elles vont faire le maquillage. Rouge à lèvres, vert à lèvres, noir à lèvres, mascara, à gauche, à droite, tissage. Mais jamais même des fiançailles ou un mariage. Si c'est le cas pour toi, c'est que ton serviteur est malade parce que la Bible dit il n'y a pas d'homme sans femme en Israël. Et la femme a été créée à cause de l'homme. Alléluia. Si c'est le cas pour toi, c'est que ton serviteur est malade et Jésus doit le guérir. Alléluia. Quand je parle de serviteur, je parle de quoi? Soyez patient avec moi ce soir. Alléluia. Je parle des enfants. Les enfants sont des serviteurs que Dieu nous a donnés. N'est-ce pas? Parce que vous savez, ce qui fait la gloire d'un homme, ce sont ses enfants. Les enfants sont des serviteurs que Dieu nous a donnés pour nous propulser dans la gloire. C'est pourquoi vous allez voir qu'en Israël, ce qui fait la gloire d'une femme, c'est lorsqu'elle est mariée et a des enfants. Une femme qui n'est elle peut être mariée, elle peut avoir tous les trésors du monde. Mais tant qu'elle n'a pas encore d'enfants, elle ne sera jamais satisfaite. Alléluia. Amen. Parce que les enfants, les enfants sont un trésor. Un trésor inestimable. Or, il y a des gens qui ont des enfants. Mais ces enfants sont des serviteurs improductifs. Ça veut dire que ces enfants, ils vont à l'école, ils sont tous les derniers. Ces enfants, ils sont là, ils sont les voyous de la cité. C'est-à-dire que les parents ont tout fait. Ils se sont privés pour leur donner une bonne éducation. Les parents sont privés pour qu'ils aillent à l'école. Mais en retour, c'est le chaos total. Et le plus souvent, je te pose la question de savoir est-ce la malchance d'avoir eu autant d'enfants ou alors c'est qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ces gens d'enfants. Alléluia. Alors, si c'est le cas pour toi, c'est que ton serviteur est malade et Jésus doit le guérir. Alléluia. Et je vais le guérir. Quand je parle d'un serviteur, je parle de quoi? Il y a des gens peut-être qui ont du boulot. Mais d'autres qui ont eu la grâce de faire des affaires, qui ont des entreprises. Et théoriquement, lorsqu'on entreprend, c'est dans le but d'aller de l'avant ou d'avoir du bénéfice. Mais les gens qui entreprennent depuis des années, c'est-à-dire que depuis qu'ils ont entrepris, ils sont toujours au bord de la faillite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que tu dois checker ta vie, tu dois vérifier ce qui ne va pas. Parce que ton serviteur est malade. Il faudrait que Jésus le guérisse. Dis Amen avec moi. Amen. Quand je parle d'un serviteur, je parle de quoi? Là, ça nous concerne, nous les hommes de Dieu. C'est peut-être un ministère, c'est le ministère. Le ministère est le serviteur que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, pour nous introduire aussi dans la gloire. Mais, il y a des ministères qui ne prospèrent pas. Il y a des ministères qui ne vont pas de l'avant. Malgré les efforts fournis, malgré tous les sacrifices mis en œuvre, n'est-ce pas, pour aller de l'avant, mais ça ne marche toujours pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le serviteur est malade et il faudrait que Jésus le guérisse. Mais écoutez-moi, ce que j'ai bien aimé chez ce monsieur, c'est la précision dans sa prière. Il dit, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Là, il met en évidence les trois aspects du ministère du diable. Parce que la Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Trois aspects du ministère du diable. Qu'est-ce qui se passe? Le premier aspect, c'est dérober. Donc c'est un voleur. Puisqu'on dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous dérobe de la présence de Dieu. Il nous dérobe de l'église. Et lorsque nous sommes sortis de l'église, lorsque nous sommes sortis de la présence de Dieu, nous prenons la forme, n'est-ce pas, d'un monsieur ou une femme qui est couché sur le lit. Ça veut dire quoi? On tombe dans le sommeil spirituel.
La première chose que le diable s'investit à faire chaque jour, c'est de nous sortir de la présence de Dieu. C'est de nous sortir de la vie, du contrôle de l'autorité spirituelle que Dieu a établi. C'est-à-dire que faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, être à l'église, mais comme des rebelles. Être à l'église, mais hors de la présence de Dieu. Ou alors même sortir de l'église. Et lorsque nous sommes sortis de la vision, du champ de vision de l'homme de Dieu, lorsque nous sommes sortis de la présence de Dieu, lorsqu'on sort de l'église, automatiquement, même inconsciemment que nous avons, on tombe dans le sommeil spirituel. Alléluia. Et vous ne pouvez pas savoir combien de femmes aujourd'hui ont reçu des masques de vieillesse à cause du sommeil spirituel. Vous ne pouvez pas savoir combien le diable a pillé des gens, a pillé des vies, a pillé des biens, a pillé des foyers, a pillé des ministères à cause du sommeil spirituel. La Bible, vous savez d'autant plus à quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil grâce au salut. Quand on parle du salut, on parle de la bénédiction. Quand on parle du salut, on parle de la délivrance. Quand on parle du salut, on parle de la guérison. Quand on parle du salut, on parle de la restauration. Quand on parle du salut, on parle de l'élévation. La Bible dit, c'est l'heure de nous réveiller en fait du sommeil quand le salut est bien plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Donc si tu dors, c'est maintenant qu'il faut se réveiller parce que la bénédiction est plus proche de toi que lorsque tu as cru. Bien, amen. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. Il ne vient que pour dérober et ensuite égorger. Quelqu'un qui est gorgé de paralysé? Paralysé, c'est-à-dire qu'il est là, il ne peut pas avancer. Parce que quelqu'un qui est paralysé, il a toujours besoin d'une assistance. Pour aller aux toilettes, il faut qu'on le porte. Pour se toucher, il n'est pas maître de sa vie. Il est dépendant, il est même parasite à cause de la paralysie. Alléluia. Atteint de paralysie. Combien de chrétiens ont été paralysés par le diable de l'église? Combien les enfants se sont laissés détruire, paralysés par le diable? Depuis que j'ai pris, je vois quoi? Mais check ta vie, il y a un problème. Réveille-toi. La Bible dit, réveille-toi qui est dans ta vie, les morts. Et Christ t'éclaire. Vous savez, c'est qui les morts? Ceux qui n'ont pas la vie. Et qui n'a pas la vie? C'est celui qui n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es vivant, tu vas dormir avec les morts. C'est les malheureux. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention à qui tu fréquentes. Alléluia. Amen. Si tu fréquentes quelqu'un qui ne t'amène pas, qui ne te fait pas avancer, mais laisse-le continuer. Amen. Toi-même, tu sais que ce monsieur-là, il te tombe tous les jours. Tu sais que cette soeur-là, quand vous êtes ensemble, c'est critiquer les hommes de Dieu, c'est critiquer l'église. Lui, il n'a jamais été quelqu'un qui vient te vivre. À chaque fois qu'il a, tu n'as pas vu, tu n'as pas. Il remarque toujours ce qui est négatif. Attends, dis-toi un peu. Attends, dis-toi la vérité. Même s'il y a du négatif quelque part. Mais pourquoi tu ne vois que le négatif? Il y a le négatif, mais il y a aussi le positif. C'est mauvais, mais quand même, je vois que le côté là-bas, on a avancé. Alléluia! Mais toi, c'est tout non, c'est comme ça, c'est mauvais. Tout c'est mauvais pour toi. Si tu veux faire des gens comme ça, pas. Amen. Détache-toi. Les mauvaises compagnies pourront les prendre. Merci. Mon serviteur est atteint des paralysies. Donc, est couché à la maison, atteint des paralysies et souffrant beaucoup. La souffrance, beaucoup, c'est l'image de la destruction. Il est venu pour dérober, égorger et ensuite détruire. Il souffre beaucoup. Donc vous voyez que le diable, il enchaîne au fur et à mesure. Il commence par te sortir de la présence de Dieu. Il te sort soit de l'église, ou alors il te sort du champ de vision de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que pour toi, tu as l'église, mais tu ne vas pas contre le pasteur. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Comme Dieu. Alléluia. Vous savez, dans chaque entité, il y a un chef. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen avec. Il y a un chef. À la maison, il y a un chef. Dieu a dit l'homme et le chef de la femme. Amen. À l'église, il y a un chef spirituel. C'est le pasteur. Et l'une des choses qui a détruit le fils prodige, je fais une parenthèse. Lorsqu'il a pris cette lettre de son héritage, c'est parce qu'il est parti dans un pays lointain. Où il est là où personne ne pouvait le superviser. Donc il s'est coupé de tout contact avec les gens qui pouvaient le superviser. Parce que quand les gens te supervisent, lorsque tu fais une remontée, tu dis,
façon, je vais prier par les paroles. Mais la Bible n'est pas dans un pays lointain où personne ne peut le superviser. Et les gens comme ça à l'église, ils sont là, mais ils sont dans un pays lointain. Il fait ce qu'il veut. Il n'a le compte à rendre à personne, pas de suivi spirituel. Il fait ce qu'il veut. Des fois, même il connaît mieux que le pasteur. Donc j'ai lu tel livre, mais dit ça, ce que le pasteur prêchait, c'est faux. Attention. Il est parti dans un pays lointain où personne ne pouvait le superviser. Mon ami, pour aller de l'avant, même Jésus qui est venu, fils de Dieu. Ah, Jésus, fils de Dieu. Fils de Dieu. Dieu fait chair même. Il arrive. Il doit passer par le chemin tracé par Dieu. C'est-à-dire qu'avant l'exposition du ministère, il y a Jean-Baptiste qui est là, le prophète de l'heure. Et Jean-Baptiste s'est même étonné de savoir que moi j'ai la révélation. Je sais que Dieu est Dieu. Jean-Baptiste, Jésus dit non, faisons d'abord ce qui est juste. Parce que pourquoi on accomplit la volonté de Dieu? Il faut qu'on fasse ce qui est droit. Selon Dieu. Yes, mais mon ami, tu ne peux pas connaître la gloire sans que quelqu'un t'y introduise. Il fallait que Jean-Baptiste, qui était le prophète de l'heure, introduise Jésus. Parce qu'à chaque fois que un sacrificateur devait commencer le ministère, il fallait qu'il soit lavé par le souverain sacrificateur. Et Jean-Baptiste, qui était le prophète de l'heure, devait laver Jésus pour l'introduire dans le ministère. Alléluia. Il passe dans un pays lointain. La personne le voyait, il ne rendait compte à personne. Et après, c'était le désastre. Sa vie a été détruite. C'est terminé pour lui. Heureusement qu'à la fin, ce que j'ai fait, c'est parce qu'à la fin, il savait ce qu'il fallait faire. Il faut savoir ce qu'il faut, il faut savoir ce qu'il faut faire à la fin. Il a dit non. Je repartirai vers mon père. Malgré la honte, malgré les échecs, je repartirai vers mon père. Et je dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Alléluia. Mais mon père était tout vieilli depuis que son fils était parti. Il était tout vieilli. Alors que le fils commença à confesser le père à vous, lui, mon fils. C'était ma prière tous les jours que tu rentres à la maison. Amen. Ne reste pas hors de la maison, rentre dans la maison. Lorsque, suivons le socialisme, lorsque Noé, après le déluge, Noé va se servir de deux oiseaux pour comme. Même pas test, le bon terme c'est comme. Non, je cherche le terme. Comme. Comment on appelle ça? Unité de mesure. N'est-ce pas? Pour changer le niveau de l'eau. Le premier qui l'envoie, c'est qui? Le corbeau. Quand le corbeau est parti, il a atterri, il a vu qu'il y avait de l'eau. La Bible dit qu'il est parti. Il n'est pas rentré dans l'arche. Il faisait des va-et-vient entre l'arche et les eaux. Après, il a envoyé la colombe. Quand la colombe est sortie, elle a changé, elle s'est rendue compte qu'il y avait de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est repartie dans l'arche. Alléluia. Qui est-ce? Colombe ou corbeau? Parce que les corbeaux sont entre le monde et l'église. C'est-à-dire que l'église est chrétienne, mais dehors c'est un grand païen. Alléluia, il est là entre l'église et le monde. Entre l'église et la boîte de nuit, entre l'église et le tabac, entre l'église et l'impudicité, entre l'église et la médisance. Mais la colombe, un enfant de Dieu sanctifié, un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, lorsqu'il sort de l'église, il se rend compte que ce n'est pas mon monde. Parce que le langage qu'on emploie ici n'est pas mon langage. Le mode de vie n'est pas le mien. Parce que Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart dans l'arche, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Pourquoi? Parce que le monsieur a été clair, il a été précis dans sa prière. Lorsque tu viens prier, dis à Dieu ce qui ne va pas. Ne dis pas Seigneur comme tu connais, il ne connaît pas. Il faut parler. Ce monsieur a dit mon serviteur est couché à la maison, a été paralysé et souffre beaucoup. Il n'a pas dit Seigneur, toi tu sers, fais quelque chose. Il a été clair dans sa prière. Dis à Dieu ce qui ne va pas. Dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Il a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit que je recouvre la vie des morts. Alors, recouvre la vue. Ta voix t'a sauvé. Oh Seigneur, comme tu sais, il ne sait pas de lui ce qui ne va pas. Qu'est-ce que j'attends de lui? Il peut te dire oui,
Il peut te dire, je suis d'accord, mais attends. Oui, il peut aussi te dire, non. Ça ne cadre pas avec le plan que j'ai pour toi. Et tu acceptes. Dis amen avec moi. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Le monsieur dit, mon Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Ah, j'ai laissé ton. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Parce que je suis un païen, je suis un circoncis. Et alors, moi que tu vois, je suis un soldat. Et j'ai connu la notion de l'autorité. Parce que non seulement j'ai 100 soldats sous mon commandement, mais j'ai aussi des supérieurs à qui je suis soumis. Et lorsque j'ai dit à l'un, va, donc à mes soldats, il va. J'ai dit à l'un, viens, il vient. Pourquoi? Parce que je suis l'autorité. Alléluia. Et comme toi, tu es l'autorité de toute autorité, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses, le Dieu souverain, le Dieu en capacité illimitée. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Celui qui dit oui, personne ne dit non. Et quand il dit non, personne ne dit oui. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ézéchiel lui, Ézéchiel, tu le sais. Et puis Dieu dit, bon, prophétise. Dis, osse-moi dessécher. Mais là, Ézéchiel, quand il prophétise, il dit, osse-moi dessécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il met en évidence que les attributs de Dieu. Ainsi, il n'a pas dit, c'est pas le Seigneur. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'en tant que Seigneur, il est propriétaire de toutes choses. Et toutes choses lui sont soumises. Et en tant qu'Éternel, il est le Dieu Tout-Puissant. Donc quand il dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ça veut dire que c'est une parole irrévocable. Personne ne peut contester. Et le Saint-Denis dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Donc en d'autres termes, il voulait dire à Jésus, donne seulement un ordre. Parce que lorsque tu ordonnes, le temps et les circonstances s'arrêtent pour exécuter. Lorsque tu ordonnes la mer, le ciel, la terre s'arrêtent pour exécuter. Lorsque tu ordonnes même les démons pour exécuter, parce que tu as ordonné. Donc c'est le même nom. Ah, Jésus dit, même en Israël, il n'est pas vu aussi grande foi. Attendez, écoutez, apôtre Alain, tu vois Élie, Élie le dispute. Après avoir fermé le ciel, Dieu lui dit quoi? Votre rang de guérite. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Dieu n'a pas dit, j'ai dit au corbeau, il dit, j'ai ordonné. Et tu sais que le corbeau se nourrit de quoi? De la viande. Mais ce jour, comme Dieu avait ordonné, le corbeau prenait la viande, il avait interdiction de l'avaler. Parce que c'était pour lui. Parce que Dieu avait dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Là! Parce que Dieu avait donné un nom. Et Jérémie dit, qui dira une chose? C'est l'Éternel qui l'a ordonné. Dis c'est le même mot, donne l'ordre. Et c'est le mot, et puis c'est terminé. Et puis il y arrive la veuve de Sarepta. Il dit, donne manger. Mais quand vous dites, Dieu ne dit pas à Sarepta, quand j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc Élie savait que Dieu avait ordonné. Toutes les manigances que tu vas faire là, tu ne peux pas ne pas exécuter l'ordre de Dieu. Et elle a fini par céder parce que Dieu avait donné un ordre. Et c'est Jésus est étonné. Jésus s'est dit, mais même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Attends. Donc Jésus était avec les disciples là. Et à un moment, il a dit, bon, avancez, je vais rester à prier. Et il s'est fait tard. Et puis là, la nuit, il voit un homme qui marche sur les eaux. Il dit, mais c'est un fantôme. Il dit, non, non, dit, non, c'est lui. Il dit, Pierre dit, bon, écoute, si c'est toi, ordonne que je marche vers toi. Alléluia. Et Jésus dit, viens, il donne l'ordre. Et Pierre est là, la mer devient du béton. Pierre commence à marcher sur les eaux parce que Jésus a ordonné. Même à l'Israël, je n'ai pas vu aussi grande foi. Donc, même à l'Israël, je n'ai pas vu un homme qui m'a compris comme cet homme-là. Comment un païen est venu comprendre le fonctionnement de notre royaume? Et l'une des personnes qui avait confiance, c'était le diable. Il savait. Jésus sort des grands jours de jeûne et dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Ah!
Dieu. Ordonne, parce que le Fils de Dieu a le pouvoir d'ordonner. Et quand il ordonne les choses, se transforme. Ordonne que cette pierre devienne du pain. Mais écoutez, vous avez été mal. Il connaît la parole. Il savait que l'église devait être bâtie sur une pierre. Il dit, j'ai bâti mon église sur une roc et les portes de ce jour de mort ne pourront pas détruire cette église. D'accord? Et le diable savait que prophétiquement parlant, la pierre dont il est question, ce n'est pas une pierre quelconque. Prophétiquement parlant, il était de la base de l'église. Et le diable savait que si Jésus donnait un ordre, la pierre sur laquelle l'église allait être bâtie devait devenir du pain, donc un fondement, comment dire, pas solide. N'est-ce pas? Et là, comme l'église allait bâtir sur un fondement pas solide, le diable allait dominer sur l'église. Jésus dit non, jamais, je devrais venir. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici pourquoi aujourd'hui l'église est inébranlable, parce que l'église est bâtie sur l'Europe. Alléluia. La Bible dit, le vent peut souffler, les tempêtes peuvent se tenir. Toutes les persécutions peuvent arriver à l'église, mais une église dont Jésus est la pierre angulaire ne peut pas être renversée par les puissances de l'enfer. Je n'ai pas vu une aussi grande foi. On revient peut-être à Ézéchiel, on va t'appeler par ça. Il est. Disons ça rapidement. Je vais lire pour vous. Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement sains. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils les vivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ose-moi dessécher, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'éternel. Je prophétisais selon quoi l'ordre que j'avais reçu. Il a prophétisé selon l'ordre qu'il avait reçu de l'éternel. Alléluia.